Nous vous souhaitons la bienvenue à la réunion générale des jeunes filles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours par cette magnifique soirée à Temple Square. Nous sommes réunis au centre de conférence de Salt Lake City et des jeunes filles accompagnées de leur mère et de leurs dirigeantes se sont aussi rassemblées dans le monde entier. Thomas Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Je suis Hélène S. Dalton, présidente générale des jeunes filles. Nous sommes heureuses d'avoir avec nous le président Monson et ses conseillers, Henry B. Ehring, éditeur F. Urdorf. Nous saluons la présence de Neil L. Anderson, du Collège des Douze Apôtres, de Craig C. Christensen, des 70, et de David Burton, évêque-président. Nous soutenons et honorons ces frères et nous les remercions de leur soutien et de leur présence. Sur l'estrade se trouvent également mes conseillères, Marie N. Cook et Anne M. Dibb. J'aime ces femmes et les remercie de leur dévouement et de leur vie vertueuse. Nous sommes très reconnaissantes que les présidents généraux de la Société de secours et de la primaire, ainsi que les membres du Bureau général des jeunes filles, soient avec nous. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à vous, membres de l'Assemblée, ainsi qu'aux personnes qui assistent à cette réunion par la télévision, le satellite, l'Internet et d'autres moyens techniques. C'est formidable de se rassembler, nous filles de Dieu du monde entier. C'est un rassemblement merveilleux de jeunes filles nobles, prêtes et désireuses d'entendre les paroles de notre prophète. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur composé de jeunes filles de pieux de la ville d'American Fork en Utah, sous la direction de Mary Lee Webb, avec Bonnie Goodleaf à l'orgue. Le chœur va maintenant commencer cette réunion en chantant « Vrais disciples du Seigneur ». Après le cantique, Abigail Pinegar, l'auréole du pieu de Salt Lake Bonneville, fera la prière d'ouverture. Come, ye children of the Lord, let
Notre cher Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants de l'occasion que nous avons de nous réunir, nous jeunes filles ici, pour écouter nos dirigeants parler. Nous sommes reconnaissants des dirigeants de cette Église, des leçons qu'ils nous enseignent, des directives qu'ils nous donnent chaque jour. Nous te remercions de la bénédiction que nous avons d'être en présence de ton prophète. Et nous te demandons de nous bénir ce soir pour que nous puissions ressentir l'Esprit et que nous puissions nous souvenir des choses qui nous seront enseignées, pour que nous puissions appliquer ces leçons dans notre vie chaque jour. Nous t'aimons, Père Céleste, et nous disons ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le chœur va maintenant interpréter « Soyons l'espoir des derniers jours ». Après quoi, Anne M. Dibb, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, s'adressera à nous. Après son discours, nous entendrons Marie N. Cook, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Nous allons ensuite regarder une séquence vidéo mettant en scène des jeunes filles du monde entier qui se lèvent et brillent. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Tous les ans, en janvier, j'attends avec impatience l'annonce du nouveau thème des activités d'échange. Néanmoins, je prends toujours un moment pour me demander si j'ai bien acquis les leçons du thème de l'année précédente.
Prenons un moment pour revoir les derniers thèmes. Que la vertu orne sans cesse tes pensées. Soyez constants et immuables, étant toujours abondants en bonnes œuvres. Sois un modèle pour les fidèles. Soyez fortes et prenez courage. Et le 13e article de foi, nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux, et que nous devons faire du bien à tous les hommes. L'étude et l'intérêt pour ces écritures pendant toute une année ont permis qu'elles fassent partie de notre cœur, de notre âme et de notre témoignage. Nous espérons que vous continuerez à suivre leurs directives tout en portant votre attention sur le thème de 2012 qui se trouve dans les Doctrines et Alliances. Le chapeau de la section 115 explique « C'était en 1838, à Far West, Missouri, Joseph Smith révélait la volonté de Dieu concernant la construction de ce lieu et de la maison du Seigneur. Le prophète était optimiste et encourageant. Au verset 5, où l'on trouve le thème de cette année, le Seigneur lui dit « En vérité, je vous le dis à tous, levez-vous, brillez, afin que votre lumière soit une bannière pour les nations. » À quoi pensez-vous lorsque vous entendez les mots « levez-vous » ? Personnellement, je pense à vous, noble jeunesse de l'Église. Je vous imagine sortant du lit et vous levant diligemment tous les matins pour le séminaire matinal. Je vous vois vous levant fidèlement après avoir terminé vos prières quotidiennes à genoux. Je pense à vous vous levant courageusement pour rendre votre témoignage et pour défendre vos principes. Votre engagement vis-à-vis de l'Évangile et votre bon exemple sont pour moi une source d'inspiration. Beaucoup d'entre vous ont déjà accepté de se lever et de briller, et votre lumière encourage d'autres personnes à faire de même. L'une des meilleures façons de se lever et de briller est d'obéir avec confiance aux commandements de Dieu. Nous apprenons ces commandements dans les Écritures, de la bouche des prophètes modernes et dans les pages du livret « Jeunes, soyez forts ». Chacune de vous doit avoir son propre exemplaire. Dans le mien, j'ai entouré les mots « pour » et « vous », comme me l'a enseigné un ami que je respecte. Ce geste tout simple me rappelle que ces principes ne sont pas que des directives générales. Elles s'adressent expressément à moi. J'espère que vous prendrez le temps d'entourer ces mots dans votre livret, que vous le lirez d'un bout à l'autre et que vous ressentirez l'Esprit vous témoigner qui sont également pour vous. Il y en aura peut-être parmi vous qui seront tentés de ne pas tenir compte des principes de jeûne, soyez forts, ou de les rejeter. Elles regarderont ce livre et diront, « Tu vois, maman, le livret ne parle pas de... » Ou elles se justifieront en disant, « Ce que je fais n'est pas si terrible. Je ne suis certainement pas aussi mauvaise que... » en indiquant le nom d'un ami ou d'une connaissance. Harold Bailey a dit, « Le plus important de tous les commandements de Dieu est celui que vous avez le plus de mal à respecter aujourd'hui. » Le roi Benjamin a expliqué, « Je ne peux pas vous dire toutes les choses par lesquelles vous pouvez commettre le péché, car il y a divers voies et moyens, oui, tant que je ne peux les énumérer. Si vous avez du mal à respecter ces principes et ces commandements, je vous recommande de rechercher de l'aide dans l'Évangile. Lisez les Écritures, passez du temps à consulter le site web officiel de l'Église, lds.org, pour trouver des réponses à vos questions. Parlez à vos parents, à vos dirigeants de l'Église et à ceux qui brillent en vivant selon l'Évangile. Priez. Ouvrez votre cœur à votre Père céleste qui vous aime. Utilisez quotidiennement le don du repentir. Rendez service aux autres. Et surtout, écoutez les murmures du Saint-Esprit et obéissez-y. Le président Manson nous exhorte tous en ces mots. Mes jeunes amis, soyez forts. Vous savez ce qui est bien
et ce qui est mal, et nul déguisement, aussi attrayant soit-il, ne peut changer cela. Si vos prétendus amis vous pressent de faire quoi que ce soit que vous savez être mal, vous soyez celui qui défend le bien, même si vous êtes le seul à le défendre. Notre Père Céleste ne veut pas que nous regardions vers le monde et suivions ses tendances toujours changeantes. Il veut que nous regardions vers lui et suivions ses directives immuables. Il veut que nous vivions selon l'Évangile et dirigions les autres vers cet Évangile en fixant des principes élevés. Les Écritures donnent de nombreux grands exemples pour illustrer cette idée. Le livre des Juges, dans l'Ancien Testament, parle de Samson. Samson est né avec un grand potentiel. Il a été fait cette promesse à sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Mais en grandissant, il regarda davantage les tentations du monde que les directives de Dieu. Il fit des choix parce qu'ils lui plaisaient, non parce qu'ils étaient justes. Les Écritures... Les Écritures utilisent à maintes reprises l'expression « il descendit » pour parler du parcours des actions et des choix de Samson. Au lieu de se lever et de briller pour atteindre son grand potentiel, Samson fut vaincu par le monde, perdit le pouvoir qui lui venait de Dieu et connut une mort tragique et précoce. Par contre, les Écritures donnent l'exemple de Daniel. Daniel, lui aussi, est né avec un grand potentiel. Dans le livre de Daniel, au chapitre 6, nous lisons « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. » Quand Daniel rencontra des problèmes posés par le monde, il ne se tourna pas vers le monde. Il se leva et regarda vers les cieux. Au lieu de suivre le décret profane du roi qui interdisait de prier quelqu'un d'autre que le roi pendant 30 jours, Daniel se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel n'avait pas peur de se lever et de briller en respectant les commandements de Dieu. Il dut passer une nuit inconfortable dans la fosse aux lions pour avoir défendu ce qui était juste, mais il fut protégé et béni pour son obéissance. Quand il fit sortir Daniel de la fosse aux lions le lendemain matin, le roi Darius décréta que tout le monde devait craindre le Dieu de Daniel et suivre l'exemple de fidélité de Daniel. Daniel nous montre réellement ce que veut dire être une bannière pour les nations et ne jamais transiger sur nos principes face aux tentations profanes. J'ai eu la bénédiction d'entendre de nombreux exemples actuels de jeunes, comme vous, qui n'ont pas peur de se lever et de briller pour permettre à leur lumière d'être une bannière parmi leurs camarades. Joanna était l'un des trois seuls membres de l'église de son lycée et la seule jeune fille de sa paroisse. Elle a pris l'engagement personnel et envers le Seigneur de ne jamais utiliser un langage grossier. Quand elle a été mise en équipe avec un jeune homme de son école qui n'avait pas pris les mêmes engagements, elle n'a pas transigé sur ses principes. Elle lui a demandé de respecter ses valeurs. Au fil du temps, suite à de nombreux rappels discrets et certains moins discrets, son amie a pris de nouvelles habitudes et a utilisé un langage plus châtié. De nombreuses personnes ont remarqué la différence, notamment la mère du jeune homme, qui a remercié Joanna d'exercer une bonne influence sur son fils. Lors d'une récente formation aux Philippines, j'ai rencontré Karen, qui m'a raconté une expérience qu'elle avait eue en tant que l'auréole, tandis qu'elle étudiait pour obtenir un diplôme en gestion d'hôtels et de restaurants. Un professeur exigeait que tous les étudiants apprennent à faire toutes les sortes de boissons qui seraient servies dans leur restaurant et les gouttes. Certaines boissons étaient alcoolisées et Karen savait que c'était à l'encontre des commandements du Seigneur qu'elle les goûte. Malgré les graves conséquences, Karen a trouvé le courage de se lever et de briller et elle n'a pas touché à ses boissons. Elle m'a expliqué, mon professeur est venu me trouver et m'a demandé pourquoi je ne buvais pas. Il a dit, mademoiselle,
Comment allez-vous connaître le goût et réussir cette branche importante si vous ne goûtez pas au moins ces boissons ? Je lui ai dit que j'étais membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et que nous, les membres, nous ne bouffons pas de choses qui nous sont nuisibles. Il pouvait attendre de moi ce qu'il voulait, et même si cela impliquait d'avoir une note éliminatrice, je comprendrais, mais je ne transigerais pas sur mes principes personnels. Des semaines ont passé, et il n'a plus été question de cette journée. À la fin du semestre, Karen savait que sa note finale reflèterait son refus de goûter les boissons. Elle hésitait à regarder sa note, mais lorsqu'elle l'a fait, elle a découvert qu'elle avait reçu la meilleure note de sa classe. Elle ajoute, « Cette expérience m'a appris qu'assurément, Dieu nous bénit quand nous le suivons. Je sais aussi que si j'avais reçu une note éliminatrice, je n'aurais pas regretté ce que j'avais fait. Je sais que je n'échouerai jamais aux yeux du Seigneur si je choisis de faire ce que je sais être juste. » Chère jeune fille, chacune de vous est née avec un grand potentiel. Vous êtes les filles aimées de notre Père Céleste. Il vous connaît et vous aime. Il vous invite à vous lever et à briller, et il vous promet que si vous le faites, il vous soutiendra et vous bénira. Je prie pour que chacune d'entre vous trouve le courage d'accepter son invitation et reçoive ses promesses. Au nom de Jésus-Christ, amen. Mes chères jeunes filles, comme nous aimons chacune de vous, nous vous voyons vous lever et briller courageusement dans un monde où de grandes difficultés accompagnent de grandes possibilités. Et vous pouvez vous demander, qu'est-ce que l'avenir me réserve ? Je vous assure qu'en tant que fille fidèle de Dieu, vous avez un brillant avenir. Vous vivez à une époque où les vérités de l'Évangile ont été rétablies et ces vérités se trouvent dans les Écritures. Vous avez reçu le don du Saint-Esprit au moment de votre baptême et le Saint-Esprit vous enseignera la vérité et vous préparera pour les difficultés de la vie. Dieu vous a donné le libre arbitre et l'occasion d'apprendre pendant votre séjour sur terre et il a une œuvre à vous faire accomplir. Pour accomplir cette œuvre, vous avez la responsabilité personnelle de chercher la connaissance. La clé de votre avenir, votre lueur d'espoir, se trouve dans le nouveau livret « Jeune, soyez fort » sous le principe de l'instruction et dans mon progrès personnel dans le domaine de la connaissance. L'instruction vous ouvrira des portes. En suivant l'exhortation du Seigneur, cherchez la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Vous obtenez non seulement la connaissance par votre étude, mais également une lumière nouvelle si vous apprenez par la foi. Recherchez la connaissance en étudiant diligemment. Vous pourrez rarement passer autant de temps à étudier que vous le pouvez actuellement. Gordon B. Hinckley a donné les sages conseils suivants aux jeunes de l'Église. Les habitudes que vous prenez pendant vos études influenceront grandement la soif de connaissance que vous aurez pendant toute votre vie. Vous devez acquérir toute l'instruction que vous pouvez. Sacrifiez tout ce qu'il faudra pour vous qualifier pour travailler dans ce monde. Entraînez votre esprit et vos mains afin d'exercer une bonne influence pendant le reste de votre vie. En s'adressant spécifiquement aux jeunes filles, Thomas S. Monson a dit « L'avenir est souvent inconnu. Nous devons donc nous préparer à des incertitudes. Je vous exhorte à faire des études et à suivre des formations demandées sur le marché du travail afin que si vous en avez l'obligation, vous soyez préparés à gagner votre vie. Suivez les conseils de ces prophètes sages et inspirés. Soyez une bonne élève. Levez-vous et brillez dans vos établissements scolaires en travaillant dur, en étant honnêtes et intègres. Si vous avez des difficultés scolaires, demandez de l'aide à vos parents, vos professeurs et des membres de l'Église qui peuvent vous aider. N'abandonnez jamais. Faites la liste de ce que vous voulez apprendre, puis faites part de vos buts en matière d'instruction à votre famille, vos amis et vos dirigeants, afin qu'ils puissent vous soutenir et vous encourager. C'est ce qu'on fait dans mon progrès personnel. Grâce à la technologie, vous êtes les témoins d'une explosion d'informations. Vous êtes constamment bombardés de sons, de vidéos, de réseaux. Sachez les sélectionner et ne laissez pas cette vague de connaissances vous distraire ou ralentir votre progression.
Levez-vous, jeune fille. C'est vous qui déterminez vos objectifs. C'est vous qui décidez de ce qui entre dans votre esprit et votre cœur. Certaines des choses les plus importantes, c'est en dehors des salles de classe que vous les apprendrez. Entourez-vous de femmes exemplaires qui peuvent vous enseigner des talents ménagers, artistiques, musicaux, sportifs, de rédaction, d'expression orale. Faites leur connaissance, demandez-leur d'être votre guide. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, enseignez-le aux activités d'échange. En plus d'une mère merveilleuse, j'ai eu de nombreux guides dans ma vie. J'ai découvert ce qu'est le rôle d'un guide quand je n'avais que 9 ans. Mon instructrice de la primaire m'a appris à broder au point de croix « J'apporterai la lumière de l'Évangile dans mon foyer ». Ce tableau a été accroché dans ma chambre pendant toute mon adolescence. Pendant que je faisais cette broderie, elle m'a guidée, m'a reprise et m'a encouragée. Il y a eu ensuite d'autres guides. Deux excellentes couturières de ma paroisse m'ont appris la couture. Grâce à leurs conseils, leur patience et leurs encouragements, j'ai présenté une robe à un concours de couture lorsque j'avais 14 ans et j'ai gagné un prix. Ce processus a également augmenté ma soif de connaissances. Les connaissances acquises maintenant porteront de nombreux fruits lorsque vous deviendrez mère. Le niveau d'instruction d'une mère a une profonde influence sur les choix scolaires de ses enfants. L'instruction d'une mère peut être la clé pour stopper le cycle de la pauvreté. En général, les femmes ayant fait plus d'études donnent naissance à des bébés en meilleure santé, ont des enfants en meilleure santé, ont plus confiance en elles. Nous apprenons dans la Déclaration au monde sur la famille que la mère a pour première responsabilité d'élever ses enfants. Permettre à vos enfants de s'instruire fait partie de votre responsabilité sacrée de les élever. Comme pour les jeunes guerriers qui avaient été instruits par leur mère, vous serez l'enseignante la plus importante que vos enfants auront jamais. Par conséquent, choisissez soigneusement vos études. Soyez une bénédiction pour vos enfants et votre futur foyer en apprenant le plus possible. Recherchez la connaissance par la foi. Nous apprenons par la foi lorsque nous acquérons diligemment la connaissance spirituelle, par la prière, l'étude des Écritures et l'obéissance, et lorsque nous recherchons le Saint-Esprit. Si vous faites votre part pour acquérir la connaissance, le Saint-Esprit peut éclairer votre intelligence. Si vous vous efforcez de rester digne, le Saint-Esprit vous guidera et vous éclairera. Lorsque j'étais jeune fille, j'ai emprunté des skis beaucoup trop longs, des chaussures beaucoup trop grandes, et un ami m'a appris à skier. Nous sommes partis par un magnifique jour de printemps, ensoleillé, avec une neige parfaite et un ciel sans nuages. Tandis que j'apprenais à skier, l'inquiétude concernant les pentes raides a fait place à de la joie. Bien que je sois tombée plusieurs fois, je me suis relevée et j'ai continué à essayer et j'ai appris à aimer ce sport. Cependant, j'ai vite découvert que toutes les journées de ski et les conditions météo n'étaient pas aussi idéales. Les jours où le ciel était couvert, nous skions avec une luminosité laiteuse. La luminosité laiteuse est produite par la diffusion de la lumière du soleil au travers des nuages. Ces jours-là, on regarde la neige blanche devant soi et la notion de relief disparaît. On voit moins bien les bosses sur les pentes. Jeune fille, vous regardez peut-être votre avenir comme j'ai regardé cette piste de ski. Vous avez peut-être parfois l'impression de vivre dans une lumière laiteuse et de ne pas pouvoir voir ce qui vous attend. L'acquisition de la connaissance par la foi vous donnera confiance et vous aidera à trouver votre chemin. Dans le 25e chapitre de Matthieu, la parabole des 10 vierges nous enseigne que la préparation spirituelle est essentielle et doit être faite par chacun. Vous vous souvenez que les 10 vierges ont toutes été invitées à accompagner l'époux à la noce, mais que seules 5 vierges sages étaient prêtes et avaient de l'huile dans leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Peut-être pensez-vous que c'est égoïste de la part des 5 vierges sages de ne pas avoir partagé, mais c'était impossible. La préparation spirituelle doit être faite par chacun.
goutte après goutte, et ne peut pas être partagé. Le moment est venu de vous appliquer diligemment à accroître votre connaissance spirituelle, goutte après goutte, la prière, l'étude des Écritures et l'obéissance. Le moment est venu de poursuivre vos études, goutte après goutte. Chaque pensée et chaque action vertueuse ajoute aussi de l'huile à votre lampe et vous qualifie pour être guidé par le Saint-Esprit, notre instructeur divin. Le Saint-Esprit vous guidera sur votre chemin dans la condition mortelle, même lorsque vous aurez l'impression d'être dans une luminosité laiteuse, incertaine de ce qui vous attend. Vous ne devez pas avoir peur. Si vous restez sur le chemin qui mène à la vie éternelle, le Saint-Esprit vous guidera dans vos décisions. Je témoigne par expérience personnelle que si vous recherchez la connaissance, non seulement par l'étude, mais aussi par la foi, vous serez guidé dans ce que le Seigneur aura besoin que vous fassiez et que vous devrez savoir. J'ai reçu ma bénédiction patriarcale lorsque j'étais jeune fille. Il m'a été conseillé de me préparer en recevant une bonne formation et en apprenant tôt dans la vie les vertus nécessaires pour édifier un foyer. Je désirais tant la bénédiction d'avoir une famille. Mais cette bénédiction ne m'a été accordée qu'à l'âge de 37 ans, lorsque je me suis finalement mariée. Mon mari était veuf. Ainsi, le jour où nous avons été scellés au temple, j'ai soudain eu non seulement un mari, mais aussi une famille de 4 enfants. Longtemps auparavant, il y avait eu de nombreux jours où j'avais eu l'impression de skier dans cette luminosité laiteuse, me demandant « qu'est-ce que l'avenir me réserve ?» J'ai essayé de suivre les exhortations de ma bénédiction patriarcale. J'ai étudié diligemment pour devenir enseignante et j'ai continué mes études pour devenir directrice d'école. J'ai prié mon Père Céleste et j'ai cherché à être guidée par le Saint-Esprit. J'ai continué à croire ardemment aux promesses des prophètes qui m'assuraient que si je restais fidèle, respectais mes alliances, servais Dieu, aimais mon Père Céleste et le Seigneur Jésus-Christ, aucune bénédiction éternelle que notre Père Céleste a en réserve pour ses enfants fidèles ne me serait refusée. Je sais que mon instruction m'a préparée pour une vie qui n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé lorsque j'étais jeune fille. Je pensais que je faisais des études pour devenir enseignante et pour instruire mes enfants, mais je ne savais pas que le Seigneur me préparait aussi à enseigner l'anglais en Mongolie, en mission avec mon mari, et à instruire les jeunes filles de l'Église à travers le monde, ou encore à enseigner à mes petits-enfants la valeur de la connaissance. Ce sont toutes de merveilleuses bénédictions que je n'aurais jamais pu imaginer. Je témoigne que notre Père Céleste vous connaît et vous aime. Il a une grande confiance en vous et a une œuvre que vous seul pouvez accomplir. Je tiens à vous assurer que vous serez prête pour cette grande œuvre si vous recherchez la connaissance par l'étude et aussi par la foi. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
J'espère que vous garderez toujours dans votre cœur les sentiments que vous avez ressentis et les conseils inspirés que vous avez reçus pendant cette réunion. J'aurai maintenant le plaisir de vous adresser la parole. Après mon discours, le chœur chantera un pot-pourri de « Merveilleux Sauveur » et de « Je ressens son amour ». Avec au violoncelle Daphné Aurulian, Églantine Dupieux de Bountiful Eight en Utah. De la fenêtre de mon bureau de la présidence des jeunes filles, j'ai une vue spectaculaire sur le temple de Salt Lake City. Je vois tous les jours l'ange Moroni dressé en haut du temple, symbole lumineux non seulement de sa foi, mais aussi de la nôtre. J'aime Moroni, parce que dans une société très dégénérée, il est resté pur et fidèle. C'est mon héros. Il était seul. J'ai l'impression qu'il se trouve en haut du temple aujourd'hui, nous appelant, vous et moi, à avoir du courage, à nous rappeler qui nous sommes et à être dignes d'entrer dans le Saint-Temple, à nous lever et à briller, à nous tenir au-dessus des clameurs du monde et, comme Ésaïe l'a prophétisé, à aller à la montagne de l'Éternel, le Saint-Temple. Les filles élues du Seigneur sont réunies ici aujourd'hui. Dans le monde entier, aucun groupe défendant la vérité et la justice n'est plus influent que les jeunes filles et les femmes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je vois votre noblesse et connais votre identité et votre destinée divine. Vous vous êtes distingués dans la préexistence. Votre lignée comporte des alliances et des promesses. Vous avez hérité des traits spirituels des fidèles patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Un prophète de Dieu a un jour dit de vous, qui êtes ici ce soir, que vous êtes l'espoir clair et lumineux de l'avenir. Et je suis d'accord. Dans un monde très difficile, votre lumière brille avec éclat. Ce sont vraiment des jours inoubliables. Ce sont vos jours. Et le temps est maintenant venu pour vous, jeunes filles du monde entier, de vous lever et de briller afin que votre lumière soit une bannière pour les nations. Une bannière est un signe de ralliement à des principes qui permettent d'atteindre la perfection. Nous devons être une bannière de sainteté que le monde entier puisse voir. Le nouveau livret révisé « Jeunes, soyez forts » contient non seulement des principes à respecter avec exactitude, mais aussi les bénédictions promises si vous le faites. Les paroles contenues dans cet important livret sont des bannières pour le monde, et le respect de ces principes vous permettra de savoir ce qu'il faut faire pour ressembler davantage au Sauveur et pour être heureuse dans un monde de plus en plus sombre. Le respect des principes de ce livret vous aidera à vous qualifier pour avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Et dans le monde dans lequel vous vivez, vous aurez besoin de cette compagnie pour prendre les décisions cruciales qui détermineront en grande partie votre réussite et votre bonheur futur. Le respect de ces principes aidera chacune de vous à se qualifier pour entrer dans les saints temples du Seigneur
et y recevoir les bénédictions et le pouvoir qui vous attend lorsque vous contracterez des alliances sacrées et les respecterez. Lorsque notre fille Amy était petite, elle aimait observer le moindre geste que je faisais pour me préparer pour aller à l'église. Après m'avoir observé, elle se brossait les cheveux, enfilait sa robe, puis me demandait toujours de lui mettre du brillant. Le brillant, auquel elle faisait référence, était une crème visqueuse que j'utilisais pour prévenir les rides. À sa demande, je l'appliquais sur ses joues et ses lèvres, puis elle disait en souriant, « Maintenant, nous sommes prêtes à partir. » Ce dont Amy ne se rendait pas compte, c'est qu'elle avait déjà son brillant. Son visage rayonnait tant elle était pure, innocente et gentille. Elle avait l'esprit avec elle et cela se voyait. Je souhaite que vous toutes, jeunes filles assemblées ici ce soir, sachiez et comprenez que votre beauté, votre brillant, ne se trouve pas dans le maquillage, les crèmes visqueuses, ni les derniers vêtements ou coupes de cheveux à la mode. Elle se trouve dans votre pureté personnelle. Lorsque vous respectez les principes et vous qualifiez pour avoir la compagnie constante du Saint-Esprit, vous pouvez avoir un puissant impact sur le monde. Votre exemple et même la lumière dans vos yeux influenceront les gens qui vous verront briller et ils voudront être comme vous. Où obtient-on cette lumière? Le Seigneur est la lumière et l'Esprit éclaire partout dans le monde tout homme qui écoute la voix de l'Esprit. Une lumière divine éclaire nos yeux et notre visage quand nous nous rapprochons de notre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ. C'est ainsi que nous obtenons le brillant. De plus, comme vous pouvez toutes le voir, la crème brillante n'a pas vraiment été utile à mes rides de toute façon. L'appel à vous lever et à briller est un appel à chacune d'entre vous de mener le monde dans une grande cause, d'élever la bannière et de mener cette génération dans la vertu, la pureté et la dignité d'aller au temple. Si vous désirez contribuer à changer le monde, vous devez être différente du monde. Je répète les paroles de Joseph S. Smith qui a dit aux femmes de son époque, « Ce n'est pas aux jeunes filles hors de l'Église de vous guider, mais à vous de diriger les jeunes filles du monde, en tout ce qui est purificateur pour les enfants des hommes. » Ces paroles sonnent juste aujourd'hui. En tant que filles de Dieu, vous êtes nées pour diriger. Dans le monde dans lequel nous vivons, votre capacité de diriger nécessitera la direction et la compagnie constante du Saint-Esprit qui vous dira tout ce que vous devez faire. Si vous reconnaissez sa direction et ses murmures et vous reposez sur lui. Comme le Saint-Esprit ne demeure pas dans des temples impurs, chacune de nous devra faire l'examen de ses habitudes et de son cœur. Chacune de nous devra changer quelque chose, se repentir. Comme le père du roi Lamoni l'a déclaré dans le livre de Mormon, « Je délaisserai tous mes péchés pour te connaître. » Sommes-nous, vous et moi, prêtes à faire de même? Un groupe de jeunes de Queen Creek, en Arizona, a décidé de se lever et de briller et de mener les jeunes de leur collectivité à vivre selon les principes énoncés dans « Jeunes, soyez forts ». Chacun a écrit dans son journal quelque chose qui, à son avis, l'entravait ou quelque chose qu'il voulait changer dans sa vie, puis ils ont creusé un trou. Ils se sont rassemblés, ont dirigé la page de leur journal et l'ont jeté dans le trou, dans le sol, comme le peuple d'Ammon l'avait fait dans le livre de Mormon avec ses armes de guerre. Ensuite, ils ont enfui ces pages et ce jour-là, ils ont chacun pris l'engagement de changer. Ils se sont repentis. Ils ont pris la décision de se lever. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous devez changer? Vous pouvez faire cela. Vous pouvez vous repentir grâce au sacrifice expiatoire infini du Sauveur. Il nous permet, à vous et à moi, de changer, de redevenir purs et de devenir comme lui. Il a promis que si nous le faisons, il ne se souviendra plus de nos péchés et de nos fautes. Parfois, il peut sembler presque impossible de continuer à briller. Vous rencontrez tant de difficultés qui peuvent masquer la source de toute lumière qui est le Sauveur. Le chemin est parfois difficile et il peut même parfois sembler qu'un brouillard épais cache la lumière. Cela a été le cas pour une jeune fille qui s'appelle Florence Chadwick. Depuis ses 10 ans, elle a découvert qu'elle est une nageuse talentueuse.
Elle a traversé la Manche à la nage dans le temps record de 13 heures et 20 minutes. Florence aimait les défis et elle a ensuite essayé de nager de la côte californienne jusqu'à l'île de Catalina, soit 42 kilomètres. Elle a commencé à fatiguer après avoir nagé 15 heures. Un brouillard épais s'est installé, empêchant de voir la côte. Sa mère était à ses côtés dans un bateau et Florence lui a dit qu'elle pensait ne pas pouvoir aller au bout. Sa mère et son entraîneur l'ont encouragée à continuer, mais tout ce qu'elle voyait, c'était le brouillard. Elle a abandonné et une fois dans le bateau, elle a découvert qu'elle avait arrêté à seulement 1,5 km de la côte. Plus tard, lorsqu'elle a été interviewée et qu'on lui a demandé pourquoi elle avait abandonné, elle a admis que ce n'était pas à cause de l'eau froide ni de la distance. Elle a dit « c'est le brouillard qui m'a cassé ». Plus tard, elle a réessayé cette traversée à la nage et à nouveau, un épais brouillard s'est installé. Mais cette fois, elle a continué et a réussi à atteindre la côte. Cette fois-là, lorsqu'on lui a demandé ce qui avait fait la différence, elle a dit qu'elle avait gardé une image mentale de la côte malgré l'épais brouillard et pendant tout le temps où elle avait nagé. Pour Florence Chadwick, l'objectif était la côte. Pour chacune de nous, c'est le temple, notre but. Jeune fille, restez concentrée. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Ne laissez pas l'épais brouillard de la pollution morale et les voix dissonantes du monde vous empêcher d'atteindre vos buts. De respecter les principes, de bénéficier de la compagnie du Saint-Esprit et d'être digne d'entrer dans les saints temples. Gardez dans le cœur et à l'esprit la vision du temple, la sainte maison du Sauveur. Il y a quelques semaines, j'étais dans la salle céleste du temple de Reno, au Nevada. La lumière qui se déversait dans la pièce était éclatante. Et il était d'autant plus grâce au lustre en cristal qui la renvoyait partout en prisme de lumière par ses multiples facettes taillées. J'ai eu le souffle coupé en me rendant compte que le Sauveur est la lumière et la vie du monde, que c'est sa lumière que nous devons élever et renvoyer. Nous sommes les petits cristaux qui renvoient sa lumière, et pour ce faire, nous devons être purs et exempts de la poussière du monde. Dans le temple ce jour-là, j'ai eu à nouveau à l'esprit l'appel de Moroni à chacune de nous, les filles de Sion. Réveille-toi et lève-toi de la poussière. Ne touche pas au mauvais don ni à ce qui est impur. Réveille-toi et lève-toi et revêt tes habits de fête, ô filles de Sion, afin que les alliances que le Père éternel a faites avec toi, ô maison d'Israël, s'accomplissent. Les bénédictions promises du temple sont accordées non seulement à vous, mais aussi à toutes les générations. Si vous faites du temple votre objectif, votre bonne influence transcendra le temps et l'espace, et l'œuvre que vous accomplirez pour les personnes qui vous ont précédé sera l'accomplissement de la prophétie. Lors de la dernière conférence générale, je me suis réjouie en entendant David Bednar inviter chacune de vous à s'engager avec zèle dans son histoire familiale et dans l'œuvre du temple, pour les personnes qui sont décédées sans les bénédictions de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Lorsqu'il vous a lancé cette invitation, mon cœur s'est gonflé de joie. Dans les Doctrines et Alliances, il est mentionné d'autres esprits d'élite qui avaient été tenus en réserve pour paraître dans la plénitude des temps, afin de contribuer à jeter les fondements de la grande œuvre des derniers jours, y compris la construction de temples et l'accomplissement dans ces temples d'ordonnances pour la rédemption des morts. Votre moment est arrivé et votre œuvre a commencé. Le temps est venu d'être digne d'une recommandation à l'usage du temple et d'en obtenir une. Cette époque est la vôtre et votre œuvre a commencé. Russell Nelson a dit ceci en parlant de vous. L'influence des jeunes filles de l'Église, comme un géant endormi, se réveillera et inspirera les habitants de la terre comme une force immense pour la justice. Levez-vous et prenez votre place dans les événements glorieux qui façonneront votre avenir et celui du monde. Le temps est venu. Tout au sommet des monts se déploie un drapeau. Il étonna Sion donné comme un flambeau. Jeune fille, vous êtes ce drapeau. Soyez vertueuse et pure.
Recherchez la compagnie du Saint-Esprit. Enterrez vos péchés et vos transgressions. Gardez le cap et ne laissez pas le brouillard de la pollution morale masquer vos objectifs. Soyez dignes d'entrer dans le temple. Mettez votre brillant. Je témoigne de tout mon cœur que Dieu vit et qu'il éclairera notre vie si nous nous rapprochons de son Fils bien-aimé, notre Sauveur, Jésus-Christ. Comme Moroni, je prie pour que nous nous levions et brillions afin que notre lumière soit une bannière pour les nations. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions toutes les personnes qui ont suivi cette réunion et nous remercions chacun d'entre vous de votre présence ici. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas Monson. Après son discours, le chœur et l'assemblée cloreront cette réunion en chantant tout au sommet des monts. Ensuite, Katie Elizabeth Garf, l'auréole du Puy de Salt Lake Highland, fera la prière de clôture. Président Monson. Une fois, dans un centre de conférence tel que celui-ci, alors que l'orateur final allait se lever, il n'était pas de ce pays-ci, mais s'est levé, a regardé à gauche et à droite, et puis il a balbutié. My dear young sisters, mes chères jeunes sœurs, je me sens bien démuni devant la responsabilité de m'adresser à vous. Je demande l'aide divine afin d'être à la hauteur d'une telle occasion. Il y a à peine 20 ans, vous n'étiez pas encore entré dans la condition mortelle. Vous étiez encore dans votre foyer céleste. Vous étiez là parmi des personnes qui vous aimaient et se préoccupaient de votre bien-être éternel. Puis, la vie sur terre est devenue essentielle à votre progrès. Sans doute y a-t-il eu des adieux et des témoignages de confiance. Vous avez obtenu un corps et est devenu mortel, retranché de la présence de votre Père céleste. Cependant, un accueil joyeux vous attendait ici, sur la terre. Ces premières années ont été des années d'une valeur spéciale. Satan n'avait pas le pouvoir de vous tenter parce que vous n'étiez pas encore devenu responsable. Vous étiez innocente devant Dieu. Vous êtes vite entrée dans l'adolescence que certains qualifient d'année terrible. Je préfère dire les années fantastiques. Une période sans pareil, faite de possibilités, de croissance et de développement, marquée par l'acquisition de connaissances et par la quête de la vérité. Personne ne dit de ces années de l'adolescence qu'elles sont faciles. Ce sont souvent des années d'insécurité, marquées du sentiment de ne pas être à la hauteur, où l'on essaye de trouver sa place parmi ses camarades et de s'insérer. C'est un temps où l'on devient plus indépendant et où l'on désire peut-être plus de liberté que les parents ne sont alors disposés à leur donner. Ce sont aussi les années rêvées pour Satan, pour vous tenter et faire tout son possible pour vous éloigner du chemin qui vous ramènera au foyer céleste d'où vous venez, auprès des êtres chers que vous avez là-bas et de votre Père céleste. Le monde qui vous entoure n'a pas ce qu'il faut pour vous aider à réussir ce voyage souvent plein de traquenards. Tant de personnes dans notre société semblent s'être éloignées de la sécurité du mouillage et avoir dérivé loin de la paix du port. La licence, l'immoralité, la pornographie, la drogue et la force de la pression des fréquentations, toutes ces choses et bien d'autres, poussent beaucoup de gens, tels des bateaux à la dérive qui vont se fracasser contre les éperons rocheux, vers le péché avec son lot de possibilités manquées, de bénédictions perdues et de rêves brisés. Y a-t-il un chemin qui mène à la sécurité? Y a-t-il un moyen d'échapper à la destruction qui nous menace? La réponse est un oui retentissant. Je vous conseille de tourner les yeux vers le phare du Seigneur. Je l'ai déjà dit, je le répète. Il n'est pas de brouillard si épais, de nuit si noire, de vent si fort, de marin si perdu que la lumière du phare ne puisse le secourir.
Il nous fait signe à travers les tempêtes de la vie. Il appelle, voici le chemin qui mène à la sécurité. Voici le chemin vers ton foyer. Il envoie des signaux lumineux facilement discernables et qui ne trahissent jamais. Si vous les suivez, ils vous le ramèneront dans votre foyer céleste. Ce soir, je vais vous parler de trois signaux essentiels émis par le phare du Seigneur qui vous aideront à retourner auprès du Père qui attend impatiemment votre retour triomphal. Ces trois signaux sont croire, obéir et persévérer. Premièrement, je parlerai d'un signal fondamentalement et essentiel. Croire. Croyez que vous êtes des filles de notre Père Céleste, qu'il vous aime, et que vous êtes ici dans un but glorieux, celui d'obtenir votre salut éternel. Croyez qu'il est de la plus haute importance de demeurer forte et fidèle aux vérités de l'Évangile. J'en témoigne. Mes jeunes amis, croyez aux paroles que vous dites chaque semaine quand vous récitez le thème des jeunes filles. Pensez au sens de ces mots. Ils sont empreints de vérité. Efforcez-vous de toujours pratiquer les vertus énoncées. Croyez, comme le proclame votre thème, qu'en acceptant ces idéaux et en les pratiquant, vous vous préparerez à fortifier votre foyer et votre famille, à faire et à respecter des alliances sacrées et à recevoir les ordonnances du Temple et les bénédictions de l'exaltation. Ce sont de belles vérités de l'Évangile. Et si vous les suivez, vous serez plus heureuse dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà que si vous les négligez. La plupart d'entre vous ont appris ces vérités de l'Évangile depuis leur plus tendre enfance. Vous avez été instruites par des parents et des instructeurs aimants. Les vérités qu'ils vous ont transmises vous ont aidées à obtenir un témoignage. Vous avez cru ce qui vous a été enseigné, bien que ce témoignage puisse être encore nourri spirituellement et développé par votre étude, vos prières pour être guidé, votre assistance hebdomadaire aux réunions de l'Église, il vous incombe de le garder vivant. Satan essaiera de le détruire par tous les moyens. Vous devez continuer d'en prendre soin toute votre vie. Si vous ne nourrissez pas continuellement votre témoignage, il s'atténuera comme la flamme d'un feu éclatant qui se transforme en braise rougeoyante avant de se refroidir complètement. Vous ne devez pas laisser cela arriver. En plus d'assister aux réunions du dimanche et à vos activités hebdomadaires, quand vous avez la chance d'aller au séminaire, que ce soit un cours matinal ou de programme scolaire, profitez de cette occasion. Beaucoup d'entre vous vont au séminaire. Comme pour toute chose dans la vie, beaucoup de ce que vous retirez de votre expérience du séminaire dépend de votre attitude et de votre réceptivité. Que votre attitude soit celle de l'humilité et du désir d'apprendre. Comme je suis reconnaissant d'avoir eu la possibilité, étant adolescent, d'assister au séminaire matinal, parce qu'il a joué un rôle vital dans le développement de mon témoignage. Le séminaire peut changer une vie. Il y a quelques années, je siégeais à un conseil d'administration aux côtés d'un excellent homme qui avait extrêmement bien réussi dans la vie. J'étais impressionné par son intégrité et sa loyauté à l'Église. J'ai appris qu'il avait obtenu un témoignage et était entré dans l'Église grâce au séminaire. Quand il s'est marié, sa femme avait été membre de l'Église toute sa vie. Lui n'appartenait à aucune Église. Pendant des années, en dépit des efforts de sa femme, il refusa d'aller à l'Église avec elle et ses enfants. Cela ne l'intéressait pas. Puis il commença à accompagner deux de ses filles au séminaire matinal. Il restait dans la voiture pendant le cours. Ensuite, il les conduisait à l'école. Un jour qu'il pleuvait, l'une de ses filles dit,
Entre, papa. Tu peux t'asseoir dans le hall d'entrée. Il accepta l'invitation. La porte de la classe était ouverte et se mit à écouter. Il eut le cœur touché. Il termina l'année scolaire en assistant au séminaire avec ses filles, ce qui l'amena à devenir membre, être pratiquant dans l'Église toute sa vie. Laissez le séminaire édifier et fortifier votre témoignage. Oh, il y aura des moments où vous aurez à affronter des difficultés susceptibles de compromettre votre témoignage, où il se peut que vous le négligiez dans la poursuite d'autres intérêts. Je vous supplie de le garder fort. C'est votre responsabilité, et seulement la vôtre, de faire en sorte que sa flamme reste brillante. Cela nécessite des efforts, mais vous ne le regretterez jamais, au grand jamais. Cela me rappelle les paroles d'une chanson écrite par Julie de Azevedo Hanks. Parlant de son témoignage, elle écrit « Contre le souffle du changement, prise dans les nuées de la souffrance, je le protège de ma vie. J'ai besoin de sa chaleur, de sa lumière. Quand la tempête fait rage, droite dans la pluie battante, je demeure gardienne de la flamme. Puissiez-vous croire, et ensuite puissiez-vous faire en sorte que, quoi qu'il arrive, la flamme de votre témoignage continue à brûler avec éclat. Ensuite, jeune fille, puissiez-vous obéir, obéissez à vos parents, obéissez aux lois de Dieu. Elles nous viennent d'un Père céleste aimant. Si nous y obéissons, notre vie sera plus épanouissante, moins compliquée. Nos difficultés seront plus faciles à supporter. Nous recevrons les bénédictions du Seigneur promises. Il a dit, « Le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé, et celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de Sion en ces derniers jours. » Vous n'avez qu'une vie. Protégez-la autant que vous pouvez des ennuis. Vous serez tenté, parfois par des personnes que vous considériez comme des amis. Il y a quelques années, j'ai parlé avec une consultante des Églantines qui m'a raconté l'expérience qu'elle a eue avec une jeune fille de sa classe. Cette jeune fille avait été tentée à maintes reprises de quitter le chemin de la vérité et de suivre la déviation du péché. Suite aux persuasions tenaces de quelques amis d'école, elle a finalement accepté d'emprunter l'une de ses déviations. Le plan a été mis sur pied. Elle dirait à ses parents qu'elle allait à sa soirée d'activité des jeunes filles. Cependant, elle projetait d'y rester juste assez longtemps pour que ses amis et leurs copains viennent la chercher. Ils iraient ensuite à une fête où il y aurait des boissons alcoolisées et où les comportements seraient en violation complète de ce que cette jeune fille savait être juste. L'instructrice avait prié pour recevoir l'inspiration nécessaire pour aider toutes ses filles, mais plus particulièrement cette jeune fille-là, qui semblait si peu sûre de son engagement vis-à-vis de l'Évangile. Elle avait reçu l'inspiration ce soir-là d'abandonner ce qu'elle avait prévu de faire et de dire aux filles comment rester moralement pure. Tandis qu'elle commençait à exprimer ses pensées et ses sentiments, la jeune fille en question n'arrêtait pas de regarder sa montre pour s'assurer qu'elle ne raterait pas son rendez-vous avec ses amis. Mais au fur et à mesure de la discussion, son cœur était touché, sa conscience s'est éveillée et sa détermination était renouvelée. L'heure venue, elle a ignoré les coups de classon répétés qui l'appelaient. Elle est restée toute la soirée avec son instructrice et les autres filles de la classe. La tentation de se détourner de la voie approuvée par Dieu avait été écartée. Satan avait été contrecarré. Après le départ des autres, la jeune fille est restée pour remercier son instructrice de la leçon et pour lui faire savoir qu'elle l'avait aidée à éviter quelque chose qui aurait pu avoir une issue tragique. La prière d'une instructrice avait été exaucée.
J'ai appris par la suite qu'à cause de sa décision de ne pas aller avec ses amis ce soir-là, parmi lesquels figuraient les filles et les garçons les plus populaires de l'école, la jeune fille était rejetée et n'a plus eu d'amis à l'école pendant des mois. Il ne pouvait pas accepter qu'elle ne veuille pas faire les choses qu'il faisait. Cela a été une période extrêmement difficile et solitaire pour elle, mais elle est restée ferme et a fini par se faire des amis qui avaient les mêmes principes qu'elle. Aujourd'hui, bien des années après, elle est mariée au temple et a 4 beaux enfants. Comme sa vie aurait pu être différente, nos décisions déterminent notre destinée. Précieuse jeune fille, avant toute décision, posez-vous ces questions. Quelles conséquences cela aura-t-il pour moi? Qu'est-ce que cela m'apportera? Que votre code de conduite ne s'occupe pas de ce que les autres vont penser, mais de ce que vous allez penser de vous. Laissez-vous influencer par le murmure doux et léger. Rappelez-vous que quelqu'un qui en avait l'autorité a posé les mains sur votre tête au moment de votre confirmation et a dit « Reçois le Saint-Esprit ». Ouvrez votre cœur, votre âme même, au son de cette voix spéciale qui témoigne de la vérité. Comme l'a promis le prophète Ésaïe, tes oreilles entendront la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Fin de citation. La tendance générale de notre époque est la permissivité. Les magazines et les émissions de télévision montrent les stars du cinéma, les héros du stade, que de nombreux jeunes aspirent à imiter. Mépriser les lois de Dieu et faire étalage de comportements pécheurs, apparemment sans conséquences néfastes. N'en croyez rien. Il y a un temps pour les compter, pour les comptes, et même une remise à zéro du solde de notre compte. Toutes les cendrillons ont leur minuit. Si ce n'est dans cette vie, ce sera dans la prochaine. Le jour du jugement viendra pour tous. Êtes-vous prête? Êtes-vous contente de ce que vous avez accompli? Si l'une de vous a trébuché en chemin, vous avez ma promesse qu'il est possible de revenir en arrière. Ce processus s'appelle le repentir. Notre Sauveur est mort pour nous offrir ce don sacré à vous et à moi. Bien que la route soit difficile, la promesse est réelle. Le Seigneur a dit, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, et je ne m'en souviendrai plus. » Mes jeunes sœurs bien-aimées, vous avez le don précieux du libre-arbitre. Je vous supplie de choisir d'obéir. Pour finir, puissiez-vous persévérer? Que signifie persévérer? J'aime la définition suivante. Résistez avec courage. Il vous faudra sans doute du courage pour croire. Il sera parfois nécessaire d'en avoir pour obéir. Il vous en faudra absolument pour persévérer jusqu'au jour où vous quitterez cette existence mortelle. Au fil des ans, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui m'ont dit, je cite, « J'ai tellement de problèmes, de lourdes préoccupations. Je suis submergé par les difficultés de l'existence. Que puis-je faire ?» Je leur ai donné, et je fais de même avec vous, cette suggestion. Cherchez la direction divine un jour à la fois. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Il faut faire un pas à la fois. Nous pouvons chacun être fidèles, rien qu'un jour, puis un autre, et un autre encore, jusqu'à ce que nous ayons vécu toute une vie guidée par l'Esprit, une vie proche du Seigneur, une vie de bonnes actions et de justice. Le Sauveur a fait la promesse, « Regardez vers moi et persévérez jusqu'à la fin et vous vivrez, car à celui qui persévère jusqu'à la fin, je donnerai la vie éternelle. » C'est dans ce but que vous êtes venus dans la condition mortelle, mes jeunes amis. Rien n'est plus important que l'objectif que vous cherchez à atteindre, celui de la vie éternelle dans le royaume de votre Père. Vous êtes des filles très très précieuses de notre Père Céleste, venues sur terre à cette époque dans un but. Vous avez été retenues jusqu'à cette heure.
Des choses merveilleuses et glorieuses vous attendent, pour peu que vous croyiez, obéissiez et persévériez. Puissiez-vous recevoir cette bénédiction? C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ, à notre Sauveur. Amen. Notre cher Père Céleste, nous te remercions de la possibilité de nous réunir ici et partout dans le monde en tant que jeune fille de ton Église. Nous te remercions des beaux messages que nous avons reçus par la parole et par la musique. Nous te demandons, cher Père Céleste, de nous bénir, de nous fortifier, de nous donner du courage pour que nous mettions notre vie en accord avec les paroles du prophète et l'exemple du Seigneur. Aide-nous à être des témoins de la justice au monde. À la fin de cette conférence, aide-nous à rentrer en toute sécurité jusqu'à ce que nous puissions nous réunir à nouveau. Au nom de Jésus-Christ, Amen.